Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vous tourne mon room tour. Donc je vous ai déjà fait mon appartement tour que je vous ai posté il y a même pas 3-4 jours. Je vous le mets dans le petit i juste au-dessus si ça vous intéresse, si vous voulez voir mon salon, mon appartement, tout ça, donc en détail. Donc je vous ai fait une vidéo à part donc de ma chambre parce que sinon la vidéo elle est beaucoup trop longue parce que je suis vraiment rentrée dans les détails. Je vous ai vraiment tout dit, enfin j'ai vraiment... tout indiqué, donc c'est pour ça que j'ai fait en deux parties. Je me suis dit, vu que la chambre c'est quand même une vidéo que beaucoup de gens aiment regarder aussi, donc je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo en deux parties. Je montre tout l'appartement, je montre quand même la chambre, mais je dis pas les détails, je dis pas d'où ça vient. Et là, du coup, j'ai fait une vidéo spéciale room tour. Donc là, je vais tout vous montrer, je vais tout vous montrer en détail, je vais tout vous dire d'où ça vient, vous donner des petits conseils, tout ça, des petites idées. En tout cas, moi, c'est ce que je veux vous transmettre, vous partager à travers ces vidéos que je vous poste. Petite parenthèse, avant de commencer la vidéo, je vous laisse mon Instagram juste ici si le genre de contenu que je propose vous intéresse ou ça. N'hésitez pas à vous abonner, ça fait toujours plaisir. Du coup là les filles, quand on rentre dans ma chambre, donc je vous ai déjà montré dans mon appartement tour juste la chambre à vue d'œil comme ça. Donc quand on rentre, on tombe directement sur ce pan de mur, donc il y a mon cadre et directement mon lit avec ma table de chevet. Et ensuite le dressing au fond, là c'est plus mon coin beauté, ma petite coiffeuse, mon make-up, tout ça. Et ensuite là vous avez la douche, donc le petit coin douche, le meuble de salle de bain et le coin bureau. Déjà les filles, pour cette lampe elle est trop belle, je la trouve hyper classe, hyper canon. Elle vient de chez Zara Home, le bouquin Dior comme ça, il vient de chez H&M Home, donc voilà. Pour le petit tabouret, c'est il vient de chez Action, donc je l'avais vraiment pas payé cher, je crois 20 euros. Donc franchement c'est trop canon, j'aime beaucoup. Du coup ici les filles, pour la coiffeuse, c'est celle que tout le monde a. Moi franchement je la conseille pas du tout parce que elle est pas top je trouve. Enfin elle est basique, elle est simple, tout le monde l'a. Mais en fait le problème c'est que le tiroir il s'ouvre même pas en entier. Donc pour aller chercher ce qui est au fond c'est un peu compliqué. Et surtout que c'est pas du tout de la bonne qualité. Là vous voyez que mon placard il est en train de pencher. Faut que j'enlève tout et que je le répare. Faut que je le fasse réparer. Mais du coup voilà, là c'est tout en train de tomber, donc c'est un peu la voilà la cata. Et du coup donc là c'est plus mon petit coin coiffeuse, donc tout ce qui est make-up je vous montre après. Pour le miroir les filles, j'ai reçu beaucoup de messages sur Instagram, il vient du Portugal, donc c'est pour ça qu'il y a les, enfin les LED elles sont intégrées directement. Vous avez juste à passer la main ici et là ça s'allume. Du coup voilà. Pour ce qui est de la coiffeuse, donc là, vous avez deux vases. Ces deux vases, ils viennent de chez Zara Home. Franchement, ils sont trop canons, comme ça, en grès un peu. Des petites fleurs sèches dedans. Donc, je trouve que ça va vraiment bien avec les tons, les couleurs, tout ça. Pareil, donc là, le petit vase, il vient de chez H&M Home. J'ai également mis des fleurs sèches dedans. La petite bougie, elle vient de chez Primark. La bougie, c'est une Dior. Elle, c'est la boîte d'argent Dior. Donc là, en décoration, j'ai mis un petit bouquin Jacques Mus qui donne quand... Quand on achète des sacs, tout ça. Ensuite, là, il y a mon agenda Louis Vuitton. Ici, c'est une petite décoration H&M Home où j'ai mis des petites branches dedans. Ce petit centre, il vient de chez Zara Home. Et le cadre, c'est moi qui l'ai fait. Donc, avec des petits coups de pinceau, avec du plâtre. J'ai acheté une toile. Et après, j'ai fait avec une petite, un petit truc pour racler. Et j'ai mis des coups de pinceau. Ensuite, pour mon fauteuil, donc le petit banc que j'ai mis... Il rentre pile poil dans la coiffeuse. Donc celui-ci vient de chez West Wing. Il est en velours crème. C'est presque la même couleur que ce lit. Donc franchement, c'est pour ça que je voulais un banc. Parce que si je mettais un fauteuil, les filles, j'aurais pas eu de place pour passer. Donc là, je peux passer normal. Et voilà, franchement, c'est parfait. Donc du coup, j'ai pris le banc qui vient de chez West Wing. Il rentre pile poil pour la taille de la coiffeuse. Donc c'est parfait. Pour le petit plaid, c'est un Hermès qui est dessus. Ensuite, pour le fauteuil ici, celui-ci vient de chez Zara Home. Franchement, c'est le plus beau fauteuil que j'ai. Il est trop beau. J'aime beaucoup la matière moumoute. J'adore.
Les pieds sont en bois comme ça, un peu bois foncé, franchement trop canon. J'ai mis dessus mon petit sac que j'ai eu pour mes 20 ans, qui est incroyable d'ailleurs. Du coup, je l'ai mis en petite déco ici. Je l'ai jamais mis, les filles. Je reçois plein de messages à chaque fois, mais tu l'as pas mis et tout encore. Mais les filles, je vais pas le mettre là alors qu'il fait pas beau. J'attends qu'il fasse beau cet été, de faire des belles photos, partir en vacances et je le mettrai. Les filles, pour mon lit, je reçois un tas de messages sur Instagram à chaque fois. Donc mon lit, il a été fait sur mesure, totalement sur mesure. C'est un compte Instagram que je vous mets juste ici. Je vais vous le taguer juste en bas. Je crois que c'est Maison Amco sur Instagram. Ils ont un Instagram où ils font, enfin, vous faites directement vos lits sur mesure. Vous leur envoyez un message, vous leur dites ce que vous voulez, la matière, la taille. Moi, j'ai fait un lit à coffre, donc c'est-à-dire que je le lève, j'ai du rangement en bas, donc franchement c'est parfait. Donc il vient de chez Maison Amco, donc je vous les conseille. Franchement, je reçois un tas de messages à chaque fois. D'où vient ton lit? D'où vient ton lit? Donc je vous réponds, je vous donne le compte à chaque fois, mais là je vous le dis en vidéo, c'est plus simple. Du coup voilà, donc pour mon lit, du coup il vient de chez Maison Amco, il est en velours crème. Franchement, il est trop trop beau. C'est vraiment moi qui l'ai tout choisi, hein. Tout. Les mesures, c'est moi qui ai choisi. La matière, la couleur, j'ai tout, vraiment tout choisi. J'ai tout fait sur mesure, donc voilà, il est de hyper bonne qualité. Ça va faire presque 2 ans que je... Non, 1 an et demi que je l'ai. Et franchement, il n'a pas bougé, il est parfait, il est trop bien, il est trop beau en plus. C'est un 180, il est grand, franchement. On a vraiment de la place pour le coup. Je voulais un plus grand lit que j'avais quand j'étais dans ma chambre, chez mes parents, toute seule et tout, parce que franchement, c'est trop la vie d'avoir un grand lit. Du coup, pour ma housse de couette en lin comme ça, donc elle est blanche en lin, elle vient de chez Zara Home également. Toutes les têtes d'oreiller, pareil, elles viennent de chez Zara Home. Après, les coussins à l'intérieur, ils viennent de chez H&M Home. Les coussins, les 3 coussins qui sont dedans, c'est Ikea. Pour le plaid qui est dessus, enfin, c'est pas vraiment un plaid, mais c'est en matière lin, je sais pas si vous voyez. C'est un peu de la déco, hein, c'est juste de la déco. Il vient de chez Zara Home, les filles, donc voilà. Enfin, mon lit, il est tout, c'est tout Zara Home et H&M Home, franchement. Du coup, voilà, pour le cadre qui est juste au-dessus, que vous voyez là, bah, c'est moi qui l'ai fait également, du coup. Un petit coup de pinceau, j'ai acheté la toile à Action, enfin je sais plus, ouais, Action je crois. Après le plâtre pareil à Action, et après j'ai fait. Pour mon lustre, les filles, c'est Ikea. Donc voilà, franchement il est très très bien, il est canon je trouve, et ça va trop bien avec ma chambre je trouve. Ensuite les filles, pour mon dressing, c'est Ikea. Donc il fait 3 mètres de long je crois, ouais 3 mètres. Il fait 3 mètres et franchement il est grand. Mais je vous jure, on n'a pas de place. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe, j'ai pas de place. Donc déjà, le placard de l'entrée, il est plein, comme vous avez pu voir dans l'appartement tour. J'ai un placard chez mes parents qui est plein. Mais quand je vous dis qu'il est plein, des habits d'été. Parce que ça ne rentre pas là, j'ai pas de place. Donc voilà, les tiroirs, ils sont pleins. J'arrive même pas à les ouvrir. Et il n'y a plus du tout de place, là. Franchement, c'est la catastrophe. Du coup, il est grand, mais il n'est pas assez... Il est pas assez grand. Franchement, c'est... Du coup, voilà, les filles, je vous montre pas en détail le dressing parce que je vais vous faire une vidéo dressing tour complète. Je vais vous montrer tout mon dressing, comment je le range, des conseils parce que là, il est un peu en bordel. Enfin, on va pas se mentir, il est un peu en bordel. Du coup, je vais essayer de le ranger. Je pense que je vais même le ranger avec vous, en fait. Je vais vous faire une vidéo où je range mon dressing et je vous montre tout mon dressing, comment je range, des conseils, comment ranger dans les tiroirs, tout ça. Et vous montrer un peu de plus près mon dressing parce qu'il est trop beau. Donc voilà, je vous montre un tout petit peu. Mais je vous montrerai plus en détail dans le dressing tour. Parce que je vous avais fait une vidéo sur la conception de mon dressing. Et j'ai eu vraiment beaucoup, beaucoup de retours. Du coup, je pense que je vais vous faire un dressing tour en détail. Je pense que ça peut être pas mal, ça peut vous intéresser. Et voilà, du coup, je vous ferai tout un dressing tour. Mais je vous le montre pas plus en détail, les filles. Et j'aime trop la petite déco que j'avais faite. Donc là, on a mis les chaussettes. Là, c'est un petit peu le coin nuit, tout ça. Non, franchement, c'est trop beau. Je vous montre pas plus, les filles, vous verrez dans le dressing tour que je vous ferai. Je pense dans quelques semaines, je vais vous le tourner. Dans 1 ou 2 semaines. Donc voilà, d'ici peu, vous le verrez sur YouTube. Mais du coup, voilà. Alors, les filles, pour les lattes qui sont à l'arrière du miroir. C'est pareil, j'ai reçu un tas de messages. Enfin, franchement, sur ma chambre, j'ai reçu un tas de messages. Pour les lattes, elles viennent de Castorama, si je me trompe pas. Oui, c'est Castorama. Franchement, ça coûte pas du tout cher, les filles, de faire un mur comme ça. Et en plus, c'est trop canon. Vraiment trop, trop canon. Du coup, la latte, je crois que c'était 3 euros, je crois, un truc comme ça.
2,40€, non, 3, 3, 4€. Donc au total, là j'en ai, attendez, 3 et 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Je crois que j'en ai 24. Si j'ai bien compté, j'en ai 24. Ça a dû me faire, je sais plus, mais franchement, c'était pas cher pour faire un mur comme ça. Et le rendu, il est dingue, les filles. Franchement, c'est une dinguerie, j'aime trop. C'est trop classe, trop beau. Ce côté de ma chambre, je le trouve trop beau, mais trop incroyable. Le rendu avec la lumière, le miroir qui s'allume derrière et tout. Je les ai même pas peints. Hein. Franchement, c'est du MDF. Donc, il y en a, ils le peignent. Il y en a, ils achètent des lattes beaucoup plus épaisses. Moi, j'ai mis en fait des petites lattes en MDF. Et je trouvais que le rendu, il était vraiment, vraiment beau. Donc, du coup, j'ai pas peint. Alors que de base, je devais y faire en beige et tout. Hein, en couleur crème comme mon lit. Pour que ça ressorte bien avec le mur et tout. Et au final, j'ai laissé comme ça. Et le rendu, il est ouf. J'aime trop. Ici, les filles, j'ai une petite table de chevet. Donc, c'est un carré comme ça en ciment un peu. Il est hyper lourd, par contre. C'est Zara Home également. Le petit bol décoratif ici, c'est Zara Home également. La lampe, pareil, Zara Home. Tout vient de chez Zara Home, les filles. Vraiment. Là, j'ai mis mon petit sac Jacquemus Chiquito en lin, comme ça, dessus en décoration. Et je trouvais que le rendu était vraiment, vraiment beau. Pour le miroir qui est ici, c'est un Ikea, les filles. C'est celui de 2 mètres, le grand. En blanc comme ça, il est grave grand, franchement il est parfait pour faire les photos donc voilà. Ensuite là j'ai mis un petit vase qui vient de chez West Wing et j'ai mis des branches dessus, enfin dedans et j'aime beaucoup le rendu, c'était pour moi une petite décoration devant le miroir. Donc ici les filles c'est le coin bureau, franchement le bureau il est beaucoup beaucoup trop petit, j'ai pas de place. Déjà pour le bureau il vient de chez West Wing, en soi pour un petit bureau il est très bien, il est très beau. Ça allait avec les pieds, tout ça. Donc franchement, rien à dire, il est beau, il est de bonne qualité, il coûte pas cher en plus. Le problème c'est qu'il est trop petit. Avec mon iMac et tout, franchement, il est trop petit. J'ai même pas la place de mettre un cahier, un classeur ou quelque chose, une pochette. Du coup, donc là, on a mon iMac sur le bureau, donc avec le clavier, la petite souris, tout ça. Ici, on a ce petit compartiment. Il vient de chez Ikea, noir comme ça. Et dedans, je range tout ce qui est papeterie. Donc là, on a les crayons à papier. Là, on a le bloc-notes. Là, on a une petite gomme Zara Home. Tout ça, ça vient de chez Muy Mucho et Zara Home. Les crayons, là, c'est Zara Home. La gomme Zara Home. Le bloc-notes, c'est Muy Mucho. Ensuite, tout ce qui est papeterie, là, ça vient tout de chez Muy Mucho. Agrafeuse, perforeuse et tout, ça vient de chez Action. Là, on a des petits tampons. Là, on a des crayons couleur Zara Home. Là, on a des petits accroches comme ça, Zara Home. Là, on a un petit calendrier. Ça, c'est Muy Mucho. Ça, c'est Shein pour mettre la date. Ah, mais le 8, il est à l'envers. Psst. Là, les filles, ça vient de chez Shein. Donc voilà, on a le petit. On a tous mes souvenirs derrière le iMac. La petite lampe comme ça, elle est hyper canon celle-ci. Elle vient de chez Zara Home. Ça, c'est mon petit mug Yves Saint Laurent. Et là, on a ma petite imprimante Canon qui est juste ici. Oh, elle est rayée. Oh non! Du coup, voilà. Les traces de doigts, par contre, ça, non. Voilà, donc là, on a ma petite imprimante. Pour la chaise, elle vient de chez NV Galerie, si je me trompe pas. La chaise, ouais, c'est NV Galerie. Donc voilà, je trouvais que ça allait. C'était canon, le petit coin bureau comme ça, mais beaucoup trop petit, les filles. J'ai hâte de faire ma maison chez moi pour avoir un coin bureau, enfin vraiment une pièce bureau pour moi. Et une pièce pour mon chéri, pour la play, tout ça, parce que là, c'est pas possible, il n'y a pas de place. Ici, en au-dessus, j'ai fait. Ça, c'est tout moi qui ai fait à la main. Je vous mettrai des vidéos à la suite, comment j'ai fait pour y faire, parce que j'ai tout filmé. Vous avez fait une sorte de réel sur Instagram. C'est une plaque de liège que j'ai achetée. Je crois que c'est ça que j'avais fait. Ouais, j'avais mis ça. Après, j'avais mis quoi? J'avais acheté une planche en bois. Une planche en bois. J'avais mis après au-dessus recouverte de liège. Donc, un en liège comme ça dessus. Après j'ai acheté du tissu en lin, je l'ai recouvert, agrafé tout ça. Donc du coup le panneau il était fait. Après ensuite j'ai acheté des petites décorations. Donc là un calendrier qu'il faut que j'achète parce qu'au final j'ai même pas écrit dessus. Et en plus c'est décembre 2022. Donc il faut que je le rachète pour 2023. Donc là ici c'est la petite affiche que mon chéri m'avait fait pour mes 19 ans, je crois. Là, j'ai imprimé une petite photo déco. Là, il y a un ciseau qui vient de chez Zara Home. Là, j'ai mis des petites fleurs sèches. Et là, donc du coup, ça, c'est les petites pinces qui viennent de chez Zara Home avec une affiche calendrier des Aigneaux.
Mais le problème, c'est que là, c'est 2022, il faut que je modifie en fait. Du coup, là, je ne l'ai pas encore fait, mais je vous montre quand même. Voilà pour mon coin bureau, du coup, les filles. Après, ensuite, en dessous, là, j'ai un truc pour le scotch. Là, j'ai des agendas, classeurs, calendrier. Voilà. Et derrière, petit agenda, petit classeur aussi. Du coup, voilà pour mon iMac quand il est allumé. Après, voilà, donc j'ai quand même de la place. Enfin, je peux m'asseoir, je peux travailler, je peux faire mes montages. Mais je peux pas faire mes papiers. Mes papiers, là, je peux pas, j'ai pas de place. Je peux imprimer mes photos, tout ça, faire mes montages, boire mon petit mug, mais il n'y a pas de place. Donc voilà. Donc d'avoir mon chez moi et d'avoir ma pièce bureau pour faire mon. Enfin, vraiment ma pièce travail, quoi, pour travailler, tout ça, parce que là, il n'y a pas de place. Mais bon, il est canon quand même, mon coin bureau, j'aime beaucoup. Ensuite, ici, ça, c'est le petit coin meuble de salle de bain, vu que la salle de bain est dans la chambre. Donc ça, on ne pouvait pas faire autrement, malheureusement. Donc là, on a le petit meuble de salle de bain. Donc ici, je range tout ce qui est, bon, ma serviette, mais du coup, j'ai rajouté dans les toilettes que j'ai déjà montré dans l'appartement de Tours, des bacs avec des serviettes. Donc là, on a tout ce qui est cire, tout ça. Après, tout plein de petites crèmes, enfin, un peu du bordel, quoi, des brosses, des trousses. Plein de petites choses comme ça. Puis après, j'ai un coin dans le couloir où il y a tous les produits de beauté, tous les shampoings, tous les gels douche, toutes les crèmes, tout ça. Et ici, là, bah, là c'est le bordel. Là, c'est le bordel, les filles. Tout ce qui est côté monsieur, donc gel, parfum, tout ça. Et là, moi, mais bon, c'est le bordel. Du coup, voilà, je vous montre pas. Franchement, c'est le bordel, j'ai honte. Mais du coup, voilà. Donc là, c'est un petit peu le bazar, parce qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ensuite, dans le lavabo, donc là, le lavabo, il est assez grand, donc franchement, c'est bien. Ici, j'ai mis une petite décoration, donc à coton-tige, Zara Home. Et ça. Pareil, ça vient de chez Zara Home avec deux petites brosses à dents que j'avais achetées chez Maxi Bazar que j'ai mis en décoration dessus. Donc après, on a un grand miroir comme ça. Le miroir, il est très grand quand même. Donc voilà, j'ai quand même pas mal de miroirs, les filles, dans ma chambre. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. J'ai celui-ci. Après, j'en ai un là. Et après, j'en ai un autre dans le salon. J'ai grave des miroirs dans mon appartement. C'est un truc de ouf. Du coup, ici, là, on a un petit panier à linge. Vous savez, le linge sale, tout ça. Donc, lui, il vient de chez Zara Home également. Donc, il est en lin. Il tient pas très bien, par contre, mais il est canon. Là, ensuite, on a la douche. Donc voilà, c'est une douche très, très simple. Et sur le côté, on a tout un coin où je peux mettre les shampoings, les gels douche. Donc voilà, les filles, pour la douche, le petit coin. Donc, voilà, pour ma chambre. Du coup, voilà, les filles, je pense vous avoir tout dit d'où ça venait. Ma chambre, c'est beaucoup plus court que le salon, enfin tout mon appartement, parce que l'appartement, c'était vraiment, vraiment très long. Là, je vous ai dit tout d'où ça venait. Après, je crois que je vous ai pas montré, mais du coup, là, à l'intérieur. Donc là, j'ai toutes mes crèmes, les filles, miroirs, toutes mes lunettes de soleil. Là, j'ai des extensions, là, j'ai tous mes petits beauty blenders, tout ce qui est pour faire mes soins, les filles. Donc voilà, et j'ai toute ma routine soin qui est dans mon salon, parce que ce matin, j'ai fait ma routine. Donc voilà. Donc voilà les filles, je vous ai tout montré d'où ça venait, tous les petits détails, toutes les petites décorations. J'espère que cette vidéo elle a pu vous plaire, qu'elle a pu vous donner des idées, des conseils que je vais vous transmettre, vous partager. Et voilà, je vous ai donné tous les détails les filles. J'aime beaucoup trop ma chambre, elle est trop trop belle. Pour le moment, je ne me suis pas encore lassée de ma chambre, mis à part le dressing qui est beaucoup trop petit et que je préférais avoir une pièce que dressing, que ce soit dans ma chambre directement. Mais bon, après, je peux pas faire autrement, malheureusement. Donc c'est comme ça. Et puis c'est très bien comme ça. On est très très bien, comme vous pouvez voir. On a vraiment beaucoup beaucoup de place. C'est grand quand même pour un appartement. C'est spacieux. Enfin, la chambre, elle est quand même immense, les filles. Du coup, voilà. Du coup, les filles, pour le dressing, je vais vous faire une vidéo dressing tour. Tout en détail pour vous montrer tout comment je range. Parce que là, c'est le bazar dans mes tiroirs. Du coup, et même là, c'est un peu le bordel. Hein. Franchement, mon dressing, là, il est en bordel pour moi. Mais je vais vous faire une vidéo spéciale dressing tour. Je change mon dressing où je vous montre tout en détail et je vous donne des conseils, tout ça. Donc je pense que ça peut vous intéresser et vous plaire. Du coup, voilà les filles. Donc cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle a pu vous plaire en tout cas. Et n'hésitez pas à me dire tout ce que vous pensez de ma chambre, tout ça, tous vos petits avis. J'aime beaucoup savoir. Du coup voilà, donc cette vidéo elle touche à sa fin. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous ai vraiment montré tout en détail. Je vous ai vraiment tout dit. Tout dit d'où ça venait, j'ai essayé d'être le plus clair. Je vous mettrai les liens en description également. Après, il y a des choses qui ne sont malheureusement pas plus dispo. Par exemple, sur Zara Home, c'est vrai que des collections, bah, des fois, c'est des anciennes collections, tout ça. Je vais essayer de vous mettre les liens des articles qui sont encore dispo, tout ça. Et voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu.
N'hésitez pas à me donner votre avis, à me dire ce que vous en avez pensé de cette vidéo, si elle vous a plu, tout ça. En tout cas, moi j'ai passé un super moment à tout vous montrer. Elles sont enfin sorties, ces vidéos que vous attendiez depuis tout ce temps. Donc voilà, je vous ai fait mon appartement tour et mon room tour. Donc voilà, vous avez vu notre petit chez nous à mon chéri et moi, notre petit appartement, notre petit cocon à nous. Franchement, on est trop trop bien. Après, comme je vous ai dit, il y a plein de choses où je commence à me lasser, par exemple dans mon salon. Après, c'est vrai que ma chambre, je me suis pas encore lassée. Enfin, franchement, la déco, elle est trop trop belle. Après, malheureusement, il y a des choses que j'aimerais que ce soit différent, mais je peux pas, c'est comme ça. Mais voilà, franchement, on est trop trop bien. Donc, je suis trop contente de vous avoir enfin montré et de vous avoir enfin fait ces vidéos que vous attendez tous. Depuis tout ce temps, parce que franchement sur Instagram, sur Snap, sur toutes mes vidéos, je recevais un tas de messages. C'est quand tu nous fais ton appart tour, c'est quand tu nous fais ton room tour, tout ça. Donc voilà, là c'est enfin en ligne, donc n'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je veux tous vos avis, tout ça. C'est toujours bon à prendre. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour de nouvelles vidéos aussi. Donnez-moi plein d'idées de vidéos les filles. Je vais essayer de vous faire plein de nouvelles vidéos, de nouveaux concepts, de nouvelles idées, tout ça. Donc n'hésitez pas à me laisser vos suggestions pour de nouvelles vidéos. Et n'hésitez pas à activer la petite cloche que je vous mets juste ici pour être averti de quand je poste une vidéo. C'est plus simple pour vous. Et à vous abonner à ma chaîne YouTube, ça fait toujours plaisir. Et voilà, alors, en tout cas, je vous fais plein de gros bisous les filles. Et je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo.